Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo relooking. Donc comme d'habitude, je vous rappelle, vous mettez un commentaire avec votre pseudo sous la vidéo et si vous avez de la chance, vous serez dans la prochaine vidéo relooking. Voilà, donc c'est toujours sur la dernière vidéo que je prends les commentaires, voilà. Donc ça fait beaucoup de voilà pour un début d'intro. Donc la première personne c'est Manu MSP. Donc, attends. On n'est pas amis, Manu, voyons. En plus, Manu, elle est souvent sur les lives et tout. Je t'envoie un petit auto. Et écoutez, c'est parti. On va faire un relooking à Manu. Est-ce qu'on part sur quelque chose de... En plus, j'ai l'impression qu'elle a des choses de Noël. Mais bon, oui, elle a un look de Noël, mais on va pas refaire le même look qu'elle a déjà, sans vous le savez déjà. Et, écoutez, c'est parti. Est-ce qu'on a envie de faire un look avec... puis elle a des rares aussi de Noël. Est-ce qu'on a envie de partir sur un look Noël et recopier un peu le look qu'elle a... Ah non, quoique, il y a quand même pas mal de choses ici qu'on peut faire. Il y en a pas mal. Oh, attendez, on dirait un pyjama. Mais genre, attendez, on fait un look pyjama. Allez, moi je suis chaude, on fait un look pyjama. Du coup, on va pas mettre de chaussures. Ah. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui vole une voiture. Redésolé, voilà, une voiture a été volée. Non, je déconne, c'est pas vrai, je suis fausse alarme, je sais pas, une voiture qui a sonné, sachant qu'il est 5h30 du matin au moment où je tourne cette vidéo, donc voilà. Alors, comme on disait, on va partir sur un look pyjama. Alors, est-ce qu'on met genre des bottes ou... Non, je pense que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de mes vidéos relooking, que je ne mets pas de chaussures. En même temps, s'imagine, tu mets des chaussures genre comme ça avec un pyjama, ça le fait trop pas. Alors, pour les cheveux, on va partir... ça, on dirait la coupe de Jojo Siwa, je m'en souviens maintenant. Je suis... Ah, on va faire comme ça. Voilà, donc, au cas où, c'est... Oh non, je vais montrer ça de la... Ah, voilà, vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Désolée. Oh merde. Oh. Bon, continuons cette vidéo, je me calme. Alors, on dirait la coupe de Jojo Siwa. Maintenant je sais, enfin je sais pas si je prononce bien, mais je vous avais posé la question la dernière fois. Il y a une fille américaine qui fait des hautes queues de cheval avec tout le temps des sortes de rubans, des nœuds, nœuds papillons au niveau de la couette. Ça me fait penser à elle. Ça fait bien parce que ça fait genre une coupe pour dormir, parce que c'est bien de dormir avec soit une queue de cheval haute ou un chignon haut ou une natte pour ne pas s'emmêler les cheveux par exemple. Ça, je trouve qu'elle est trop bizarre cette coupe là, j'aime pas trop comment elle fait. À base j'aime bien les nattes, mais celle-ci pas trop. Donc pour l'instant je partirais plus sur celle-ci. Mais on va voir un peu plus loin, on va peut-être trouver quelque chose de encore mieux. Ça c'est sympa aussi, ça irait une natte pour dodo, mais vu qu'en ce moment il y a tout le monde qui le porte cette coupe, je vais peut-être trouver quelque chose de plus original pour le coup. Et pour l'instant la première c'est celle qui me convient le mieux. Et puis vu qu'elle est très originale, je l'ai pas vue souvent celle-ci, la première, celle de Jojo Siwa, on va l'appeler la coupe de Jojo Siwa. J'ai vraiment pas vu souvent. Et du coup on va essayer de trouver quand même... Non franchement pour le moment je crois qu'on va vraiment rester sur la première. Ouais. Non ça avec un ruban ça le fait pas. Après genre ça pourrait convenir aussi. Ça pourrait le faire aussi. Mais bon je crois que la première elle est beaucoup plus originale, je l'ai beaucoup moins vue. Alors que celle-ci je la vois beaucoup plus souvent, donc on va garder la première. On va garder la première, on va voir si on met des accessoires, mais après pour mettre des accessoires à une nénette qui va aller dormir, je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme accessoire, parce que bon, si elle va dormir, ben à la limite, des chaussettes ce serait dans les chaussures, non? Des chaussettes ce serait dans les chaussures, c'est tellement logique. Je vais pas mettre genre ça quoi, ça fait pas, et ça? Ouais non, je pensais que c'était dans les cheveux mais pas du tout. Non, je pense que les chaussettes, on peut en trouver, là, on peut, ouais, à la limite, on trouve des collants ici, mais on va vérifier si on trouve des chaussettes ici ou pas, ça pourrait être cool, voilà, genre ça, voilà, genre des chaussettes comme accessoires, entre guillemets, mais après, franchement, je rajoute rien de plus, parce que, voilà, c'est censé être une tenue pyjama,
Et du coup, bah, elle est prête pour... comment on dit ça ? Une pyjama party, voilà. Elle est prête pour une pyjama party. La prochaine personne à se faire relooker dans cette vidéo, c'est Frisette des Îles. Et hop, on envoie une petite demande. Voilà. Et bah écoutez, c'est parti. Attends, le petit autographe. Des fois j'oublie l'autographe, mais il faudrait que j'y pense plus souvent. Et bah c'est cool. Oui, je vois qu'elle a un look de Noël. Mais bon, vu qu'elle l'a déjà créé, on va peut-être pas lui refaire. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est trop chou. Imagine, je mets une veste en cuir avec ça, ça fait genre tellement le contraste. Non, non, non. On va quand même aller voir plus loin. Ok, j'ai envie de faire un truc avec ce truc militaire. Ce haut, ce top militaire imprimé militaire. Avec ça, c'est parfait. Il faudrait genre soit quelque chose... Oh, en vrai, ça fait bien, je trouve. Ça fait très le design, très... Je sais pas. C'est un peu spécial, mais j'aime bien. Et après, je vois pas ce que je pourrais mettre d'autre à la place. Non, franchement... Je trouve ça sympa. Après, il faut voir le rendu complet, ce que ça donne. Non, pas ça. On va peut-être pas abuser non plus. Je verrais bien une coupe foncée, parce qu'en plus, elle a un rouge à lèvres assez foncé. Ah, c'est la coupe des animations, ça. Ça, c'est sympa. Elle avait ça comme coupe de base, donc j'ai pas envie de reprendre la même. Bah tiens, on va la faire en rouquine, ce sera pas les cheveux noirs, mais le roux, ça lui va très très bien aussi. On va, bah les chaussures, bah dis donc, elle va pas à une pyjama party elle. Bon, on n'a pas trop le choix, on va mettre celle-ci, c'est les seules qui vont vraiment avec sa tenue, les autres je les vois pas vraiment. Donc on va mettre celui-ci et on va accessoriser ça, c'est pas mal. Ouais non, ça c'est au niveau couleur, c'est fashion faux pas. Bracelet, on peut mettre. Non, ça va, j'aime bien, elle a des beaux accessoires en termes de bijoux. Moi même je trouve que j'en manque un peu. Bah, ah bah non, on peut pas mettre les deux. Ah si, mais pourquoi ça l'a enlevé celui-là? Je l'avais mis je crois. Ah parce que j'ai mis ça et ça, ça remplace le collier, d'accord, ok. Ok, je comprends mieux. Bah écoutez, pour le deuxième look, je pense qu'on est pas mal, hein. La troisième personne, c'est Lumière Lune 123, donc je rappelle, pour participer, il faut que vous mettiez un commentaire sous la dernière vidéo relooking. Donc si vous regardez cette vidéo et qu'elle date un petit peu, je vous conseille de vérifier s'il n'y a pas une nouvelle vidéo relooking qui a été sortie depuis et de mettre vos commentaires sur la nouvelle, la dernière vidéo relooking. En général, j'en mets une par semaine. Souvent, c'est le week-end, soit le samedi matin, soit le dimanche matin. C'est un petit rituel vu que c'est des vidéos en plus parce que je fais des vidéos du lundi au vendredi à 17h et le week-end, de temps en temps, je mets une vidéo également le matin. Ça, c'est vraiment optionnel. Du coup, c'est sûrement à ces moments-là que je place les vidéos relooking. Et du coup, essayez de vérifier parce que des fois, je reçois encore des commentaires sous d'anciennes vidéos relooking et du coup, je ne prends plus en compte les commentaires sur les anciennes vidéos. Voilà, voilà. Bah écoutez, est-ce que je suis envoyée? Oui, je vais demander. Hop, photo, c'est envoyé. Et ben, c'est parti. On va faire le relooking. Créer un nouveau look. Et je sais pas. Parti. Oh, je suis en train de me dire, what, qu'est-ce qui se passe? Oh, est-ce que ça vous rappelle pas une certaine vidéo, ce top là? Petite référence des personnes qui regardent régulièrement mes vidéos. Ça, on va tout enlever. Voilà, on va tout enlever. Du coup, j'ai envie de partir sur ce top hein, pour me venger de la vidéo. J'ai envie de partir sur ce top. Ah, c'est parfait ça. Oh, j'adore cette veste. D'ailleurs, c'est sur le personnage principal de ma série MSP qui n'est jamais sortie. Bah, elle porte ce veston-là en cuir et je l'adore. Je le trouve super génial. Avec en plus le top bleu, ça va super bien. Je verrais bien un jeans genre soit vieux jeans délavé ou jeans foncé, bleu foncé. Genre comme ça, un jeans un peu délavé mais long en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. je sais pas pourquoi. Mais je sais pourquoi je le veux long. Bon, je vais pas remettre ça parce que si je le mets à toutes les movies, ça va pas le faire. Mais en gros, parce que vu que le haut est assez court, pour compenser, il faut mettre quelque chose en bas qui... Après ça, j'adore ça aussi. Mais pas pour ce look là. Voilà, j'ai en plus quelque chose de comme ça. En plus, ça lui fait de ses fesses. Ça lui fait de ses fesses. Mais mon dieu. Pour compenser le fait qu'elle soit beaucoup dénudée sur le haut, bah sur le bas faut compenser bien comme il faut quoi. Donc quelque chose de long. J'ai envie de tester noir mais... En noir ça fait bien aussi mais...
Ah oui, allez, go pour le noir, pour le jeans noir finalement. Je vais un petit peu changer parce que voilà, je suis trop une personne dans ma tête, j'essaie de toujours tout pour que tout s'accorde et tout. Pour les chaussures, on va regarder. De toute façon, je peux pas mettre des trucs longs, ça ne matche pas. Ça, j'adore ces chaussures-là. J'aimerais bien en avoir en vrai, mais j'assumerais pas de les porter et puis j'arriverais pas à marcher dedans de toute manière. Ça le fait. Ça, c'est super. Super. Moi, je valide ces petits talons. Enfin, ces petits talons, moi, je serais déjà plus marcher dans ça non plus. Hein. Mais on va regarder par curiosité s'il y a autre chose. Mais non, pour l'instant, franchement, ceux-là, ils sont parfaits. Ils sont vraiment à la parfitude. Oui, bah écoutez, on va rester sur ceux-là. Et on va aller dans les cheveux d'abord, avant les accessoires. Hein. Toujours. Ça, c'est cool. Je me rappelle plus la... Oh. Alors, je sais pas si elle a cette coupe à cause de l'une de mes vidéos aussi. Hein. Mais vous savez que je kiffe cette coupe. Hein. En ce moment, j'ai envie de me l'acheter en plusieurs couleurs différentes. Allez, on va quand même regarder s'il y a quelque chose d'autre. Mais sinon, je reste sur cette coupe. Mais si... Non, je pense que je vais garder cette coupe. Il y a très peu de monde qui l'ont en plus, donc autant partir sur celle-ci. Et en plus, elle convient bien avec le style vestimentaire. Voilà, le côté rasé, tout ça, le mode un peu rock. Franchement, je valide. Bon, je sais que vous aimez pas tous. Hein, on peut pas. Ouais, non, là, ça cache le haut. C'est beau, hein, mais pas pour cette tenue-là. Parce que sinon, tout ce que j'aurais fait, les efforts que j'aurais mis à faire quelque chose de joli, ben voilà. On va mettre des petites taches de rousseur. Forcément, c'est la quinzaine, vous connaissez les bails. Petit piercing. On va mettre ça. Parce qu'en plus, ça c'est parfait. Puisque la coupe nous permet de faire de jolies boucles d'oreilles. Comme ça, c'est pas souvent qu'on a des oreilles découvertes. Au point de pouvoir utiliser ce genre de boucle d'oreilles. Donc, on va l'utiliser. Donc, ça fait. Là, ça commence à partir sur un look rock. Mais un petit peu punk quand même. Mais. Ouais, ça on met. Bon, on voit un petit peu en dessous. Ouais, non, on va enlever. On va quand même voir, là je trouve que c'est quand même pas mal chargé. Peut-être quelque chose au niveau des bras. Le problème c'est qu'ici, est-ce qu'on verra? Oui, on voit, donc on va mettre le tatouage. Justement, je cherchais un tatouage, je me demandais. On va peut-être tester celui-ci. Oh merde, il s'ajoute à l'autre. Ouais, non, on le voit pas assez celui-ci. On va l'enlever et puis on va remettre l'autre quand même. Hein. Celui-là il est très beau aussi, mais on le verra pas parce qu'il est plus haut sur le bras, me semble. Ah, ça pourrait aller. Je pense qu'on va lui mettre ça, ça fait un petit rappel avec le top. Et ça casse un peu le look un peu trop comment dire. Ça fait pas bizarre avec les cils là, ça va pas avec ses yeux. Ça va pas avec ses yeux là, il faut. Enfin les cils là faut les utiliser avec les yeux. Enfin les yeux, vous savez, mais les yeux préférés. Et je pense que. Ouais, quoique. Ouais, bon allez, on va plus partir pour ce sac là. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour choisir plutôt ce sac là que le sac bleu. Hein, ouais, j'ai envie de tester, juste pour le fun. En soi, ça pourrait aller avec le côté rasé, la mèche devant, mais du coup, faudrait faire quelque chose avec les cheveux derrière. Ça aurait pu. Ça, j'aurais préféré ça, mais genre... Ouais, quoique en argent, vu qu'elle a la chaîne argentée au sac, ça passe aussi. Bah, écoutez, je suis assez satisfaite. Je vais pas... Enfin, je vais rien rajouter. Ouais, si. J'allais dire, j'allais rien rajouter, mais on va rajouter ça en petit plus. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de ce look? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires quel a été votre look préféré. Est-ce que ça a été le 1, le 2 ou le 3? Vous pouvez aussi commenter le style vestimentaire et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer telle ou telle tenue. N'hésitez pas, je regarde régulièrement les commentaires et du coup je fais quand même plus attention aux commentaires constructifs comme ça sous les vidéos relooking. C'est pour ça que vous voyez que je like et j'adore beaucoup moins les commentaires sous les vidéos relooking parce qu'il y a beaucoup de commentaires où il y a seulement les pseudos. Et du coup, je fais forcément un peu plus attention aux commentaires constructifs. Voilà. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao.